L'ordre religieux fondé par Saint Dominique il y a 800 ans, vous le savez, porte le nom officiel d'ordre des prêcheurs. Et ce nom n'est pas un détail, parce qu'il explique ce que font et ce que sont les fils de Saint Dominique aujourd'hui. Les prêcheurs ont pour mission d'annoncer la parole de Dieu, ils ont mission d'évangéliser, donc d'annoncer l'évangile à toutes les nations, de toutes les nations en fait des disciples. C'est la fin de l'évangile selon saint Matthieu, ça c'est ce qu'ils font, mais ils le font d'une manière particulière dans l'Église parce qu'ils sont consacrés totalement à cette mission. Ils ne sont là que pour ça. Ce ne sont pas seulement des religieux qui font des sermons au milieu d'autres activités. L'ordre de prêcheurs, l'ordre des prêcheurs est vraiment un ordre qui est totalement député à la prédication. C'est un état de vie dans lequel nous sommes établis depuis Saint Dominique par l'Église, pour l'Église. Fonder un tel ordre des prêcheurs, ça n'a pas été une lubie pour Saint Dominique, le fruit d'une obsession personnelle. La mission dominicaine résulte d'un travail lent, d'un travail patient, de réponse, d'adaptation d'un tout petit groupe d'hommes aux besoins du temps et de l'Église au début du XIIIe siècle. C'est précieux de revisiter cette histoire parce que finalement ceux qui veulent prêcher l'évangile aujourd'hui se retrouvent à un tout petit groupe d'hommes et de femmes sur Terre. Et c'est encourageant de voir qu'à chaque époque, cette situation se renouvelle et que la prédication de l'évangile continue. Cette élaboration par Saint Dominique, elle s'est faite en collaboration avec les papes, Innocent III, Honorius III, Grégoire IX. Elle s'est faite avec les conseils de nombreux évêques, parmi lesquels un Espagnol, Diego d'Osma, et puis Foulque de Toulouse, qui était d'abord marseillais, puis toulousain. Donc ont été des évêques, des papes, qui ont été liés à Dominique par une amitié très confiante. Et Dominique a toujours eu une vive conscience qu'il faut aider les évêques, les papes, pour le service de l'Église. Les premiers mots du propre de la messe, de la liturgie de la messe de Saint Dominique, le célèbre en disant qu'il est placé in medio ecclesiae, c'est-à-dire au cœur de l'Église, au milieu, au cœur. Il y a une antienne du XIIIe siècle, un chant du XIIIe siècle, où un prédicateur compare Dominique à la bouche de la Sainte Église par laquelle elle enseigne et corrige ses fils. Et l'ordre des prêcheurs appartient par ailleurs à une catégorie de familles religieuses qu'on appelle les ordres mendiants. Saint Dominique, donc le noble espagnol de Castille, comme François, le bourgeois d'Assise, ont compris dès les premières années du XIIIe siècle que le service de l'Église, sa croissance, la purification de ses membres, appelaient un témoignage rendu par la parole et par l'exemple. On dit en latin « verbo et exemplo ». Et c'est comme ça qu'avaient agi les apôtres de Jésus. À l'exception de Jésus, de Saint Jean, vous savez que tous les apôtres sont morts martyrs. Leur sang versé a été comme une espèce de sceau de vérité mis sur leurs paroles. Les prédicateurs qui ont suivi les premiers apôtres n'ont pas tous connu ce même sort. Mais la même exigence de vérité s'est manifestée pour eux. Les actes parlent, tout comme la bouche parle, et ce que disent les actes doit confirmer les mots qui sont jaillis de la bouche. Il faut être cohérent, que les actes suivent les mots. Dominique est un homme évangélique. C'est à l'école de l'Évangile qu'il a appris ce que sont pauvreté et mendicité. C'est dans l'Évangile qu'il faut chercher comment s'y prendre pour devenir prêcheur. C'est pour ça qu'avant de parler plus directement de lui, je voudrais dire quelques mots de ce qu'il a découvert dans l'Évangile. Pour prêcher, pour être missionnaire, pour être apôtre. L'Évangile montre très clairement que le Christ a pris la voie d'une pauvreté radicale. Je vous rappelle qu'au XIIIe siècle, on dira que les dominicains, comme les franciscains, sont des ordres de mendiants.
quand on évoque des mendiants, on pense à une forme de pauvreté, évidemment. Eh bien, l'Évangile nous montre que c'est le Christ qui a été le premier grand mendiant, hein, le grand pauvre, qui a montré comment il fallait évangéliser. Il a pris le chemin des plus petits, hein, pour se rendre audible à tous. Il est né dans une étable, il a travaillé longuement dans un atelier d'artisan, il a vécu à la merci des passants, sollicitant l'eau puisée par une Samaritaine, sollicitant le prêt d'un âne pour entrer à Jérusalem. Ses logements ont été de fortune. Et juste avant de mourir sur la croix, une des dernières paroles de Jésus, c'est vraiment une parole de mendiant, de pauvre, très pauvre, « J'ai soif, j'ai soif, je n'ai même pas ce qui peut me permettre de vivre. » Et à ce dépouillement extérieur, déjà très, très exigeant, a correspondu aussi à un dépouillement intérieur. Jésus s'est séparé de ce qu'offre la richesse, des amis, des protecteurs, le respect de son honneur. Son peuple l'a renié, ses disciples, presque tous, l'ont abandonné. Il est mort avili et il a même, semble-t-il, renoncé à revendiquer la propriété de ses propos, de ce qu'il disait. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Je n'ai rien à moi, même pas cette doctrine qui vient de celui qui m'a envoyé, dit-il dans Saint Jean. Si quelqu'un veut accomplir sa volonté, il verra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Eh bien, vous voyez, c'est ça que Dominique finalement a découvert en contemplant l'Évangile, qu'on a à découvrir nous aussi. Le Seigneur Jésus n'a pas proposé aux siens une autre voie que celle qu'il avait choisie lui-même. En appelant ses apôtres, il les a détachés sans scrupule manifeste de leur village et de leur famille. Vous savez, la belle-mère de Pierre est guérie, et aussitôt, Pierre doit la quitter. À qui prétend le suivre après avoir enterré son père ? Jésus déclare : Suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus dépouille même les siens, et c'est comme à plaisir de leurs compétences professionnelles. Il y a un spécialiste de l'argent dans les douze apôtres, c'est saint Matthieu. Lévi, banquier, c'est pas lui qui va tenir la bourse des douze. Malgré les compétences acquises dans son métier de publicain, c'est Judas qui en est chargé. 12 siècles après ces épisodes rapportés par les évangélistes, dans le même souffle et dans le même élan que François d'Assise, dont il est l'exact contemporain, saint Dominique a recueilli l'héritage de mendicité, de pauvreté du Seigneur et de ses apôtres pour les mettre au service de la mission de prédication. Vivre pauvrement et mendier, pour lui, c'est aussi sérieux que pour Jésus. Mendier, c'est vivre dans l'angoisse du lendemain et même du jour présent, dans la dépendance de ceux qui voudront nous donner de quoi subsister, alors que la seule monnaie dont nous pouvons les payer en retour est la parole de Dieu. C'est exigeant. Dominique a bénéficié d'un des premiers procès de canonisation, c'est-à-dire d'une des premières grandes enquêtes faites après sa mort pour vérifier que quelqu'un est saint, de l'histoire de la sainteté. C'est à ce moment-là que se mettent en place les procédures disons, qui ont juste précédé les procédures actuelles. Et un frère, Rodolphe, un procureur du couvent de Bologne, c'est-à-dire qui s'occupait de l'argent d'un de ses premiers couvents dominicains au début du XIIIe siècle, dépose lors du procès en vue de la canonisation, avec la précision de quelqu'un qui s'occupe des affaires matérielles dans une communauté, il dit « Lorsque le pain, d'autres vivres ou le vin manquait dans la maison, il allait trouver ce frère Dominique, saint Dominique, et lui disait « Nous n'avons pas de pain ou de vin ». Et lui disait, va et prie, car le Seigneur y pourvoira. Ce témoin allait à l'église pour prier, ce frère Dominique souvent le suivait, et Dieu faisait si bien qu'ils avaient toujours des vivres suffisants. Parfois, le peu de pain qu'ils avaient sur son ordre, il le mettait sur la table, et le Seigneur ajoutait à ceux qui leur manquaient. Quoi la pauvreté évangélique
permettait-elle à Saint-Dominique et aux siens de prêcher l'Évangile? Eh bien, regardez les consignes qui sont données aux apôtres dans l'Évangile. Quels moyens le Seigneur donne-t-il à ceux qu'il appelle à le suivre pour annoncer sa parole, pour annoncer comment le suivre, hein, et comment aller sur le chemin du ciel? Eh bien, Jésus ne propose rien d'autre que lui. Je suis la voie, la vérité et la vie. Pas de gadgets spéciaux à James Bond, pas de technique, pas de réunions, d'organisations de toutes sortes. Jésus dépouille les siens et les envoie dans une nudité insolente, et on dirait même qu'il les démunit à plaisir. Quand un patron donne une mission à des communicants pour promouvoir son entreprise, il leur donne une documentation attrayante. Il prévoit des moyens, il prévoit un argumentaire. Bien, la puissance et l'autorité que Dieu confie à ceux qui l'envoient sont invisibles à l'œil nu. Dieu leur donne des ordres tout simplement irréalisables en apparence, guérir les morts, ressusciter les morts, pardon, donc annoncer l'Évangile au tout venant, à temps et à contre-temps, ne se procurer ni or ni argent. Pas de vêtements de rechange, une paire de sandales. Une disproportion entre les ouvriers et puis le travail qu'on leur demande. Et pour Jésus, cette nudité, c'est le critère par excellence. Dieu agit de la manière la moins technicienne possible. Il envoie des hommes prendre des hommes à voix et à main nue, comme il l'a fait lui-même. Tout simplement parce qu'il n'existe pas d'instruments adéquats pour prendre un cœur, pour prendre une âme. Si vous avez déjà essayé, j'espère, d'annoncer l'Évangile à quelqu'un de votre entourage qui ne croit pas ou qui a des objections sérieuses, vous voyez bien, on ne convainc pas profondément, totalement, avec des instruments, des preuves amenées, comme amenées de l'extérieur. La foi est une adhésion de l'intérieur. Et pour que cette foi donc soit annoncée, il faut des hommes de foi qui prêtent leur voix, qui prêtent tout leur être, qui donnent tout leur être pour l'annonce de l'Évangile, pour la mission évangélique. L'équipement de l'apôtre qui suit le Christ, ce ne peut être que son humanité dans toute sa faiblesse, mais une humanité configurée au Christ pour être ses pieds, ses mains, son cœur, son intelligence. Et s'il est dominicain, très particulièrement, sa voix. Alors, ce que je viens de vous présenter, c'est ce que Saint-Dominique, à mon avis, a compris du message évangélique. C'est ainsi qu'il a vu la vie des apôtres. Mais cette lumière s'est faite progressivement au cours de sa vie, au cours de la cinquantaine d'années de sa vie. Il n'a pas vécu très vieux. Il lui a fallu du temps et des étapes pour consentir à entrer dans cette vocation apostolique et être à même de la proposer à d'autres. La dépossession de soi est un long chemin. Pour ressembler au Christ, il me semble que Saint Dominique a consenti progressivement à cette dépossession. Et c'est cet renoncement qui l'amène à être de plus en plus ressemblant au Christ. Ce sont ceux que je voudrais reprendre tout au long du fil de sa vie. Le premier renoncement, c'est le renoncement à sa famille. Ses parents, qui se nommaient Félix et Jeanne, s'étaient mariés en 1170 et vivaient dans un petit bourg de Castille, donc dans le village de Caleruega, au sud de Burgos. Son père, dit une chronique, fut un homme respectable et riche en biens propres. Sa mère, quant à elle, était une femme de bonne vie, réservée, prudente, très compatissante envers les malheureux et les affligés, et parmi toutes les femmes de ce pays, elle brillait du privilège de la bonne réputation. On n'en sait pas beaucoup plus que ce que livrent ces sources du XIIIe siècle. Ses parents étaient des personnages importants, mais des personnages importants dans un tout petit village, entouré d'une réputation de sainteté.
La famille de Dominique a constitué un milieu fervent. Son frère est devenu dominicain. Un autre frère, lui aussi prêtre, s'est consacré sur place au service des pauvres. Et puis, il a eu des neveux ou des cousins qui sont ensuite entrés dans l'ordre des prêcheurs. Tout dit qu'il y a une espèce de tribu chaleureuse, d'amour familial, une affection filiale. Bien, cet univers, Dominique l'a quitté dans sa jeunesse, sans un regard en arrière. Et il l'a quitté jeune, semble-t-il. Ça veut dire qu'il a pris au sérieux la première phrase de la Bible consacrée aux parents, celle que l'on explique longuement aux fiancés lors de la préparation au mariage. La première fois qu'on parle des parents dans la Bible, c'est pour dire qu'il faut les quitter. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Il n'a pas épousé, Dominique n'a pas épousé une femme, mais il s'est donné à l'Église sans jamais reprendre ce don, et pour ça il a quitté ses parents, il a quitté un milieu aimant. Et s'il est revenu une fois en Espagne entre 1211 et sa mort en 1221, c'est pour le service de sa mission. Il n'a pas profité de sa place, devenu fondateur d'un ordre, pour se faire admirer des siens. Donc renoncement à sa famille. Deuxième renoncement, le renoncement aux délices d'une vie intellectuelle. J'imagine qu'il y a parmi vous de nombreux étudiants. Je ne sais pas si la vie intellectuelle pour vous est un lieu de délices ou un lieu de supplice. En tout cas, Dominique a manifestement goûté les études comme un temps de délices. Il a connu la joie de lire et les plaisirs de la réflexion. D'abord éduqué par un oncle prêtre, il a ensuite fréquenté les écoles de Palencia pour étudier les arts libéraux, et il se formait à la manière de son temps dans les grandes disciplines qui permettent ensuite, alors, de poursuivre un cursus universitaire, donc de la grammaire à la musique. Après plusieurs années de ses études préparatoires, il s'est consacré durant 4 ans à la science de la Bible, des Saintes Écritures, et il s'est confronté aux textes bibliques, notamment en le mémorisant. Il a étudié à Palencia, ce qui tient lieu de première université en Espagne. Il a étudié dans ce qu'il y avait de mieux en Espagne pour y faire des études en son temps. Une ville ouverte au reste de l'Europe, où il a rencontré des prêtres venus de France, d'Italie, etc. Le moment où il se forme, c'est le moment où naît l'université, partout en Europe. Enfin, partout en Europe, c'est à Oxford, à Bologne, à Cologne, à Paris. Et il a grandi dans ce qui naissait en Espagne. Il a reçu une formation exigeante et poussée qui ont fait de lui une espèce d'intellectuel à la manière du Moyen-Âge. Et la longueur de ses études montre qu'il s'y est plu, qu'il a voulu aller plus loin, qu'il a voulu aller jusqu'au bout. Il aurait pu laisser une œuvre intellectuelle qui justifierait qu'on donne son nom à des groupes scolaires ou à des universités ou à des salles. Mais il ne s'est pas préoccupé de cela. C'est à Palencia, au contraire, que s'est produit un épisode très très bien attesté qui révèle l'esprit de charité, l'esprit d'amour qui l'animait. Alors qu'une forte famine désolait l'Espagne, bouleversé par la détresse des pauvres et brûlant en lui-même de compassion, il a décidé qu'en une même action, il se conformerait au conseil du Seigneur et remédierait du mieux qu'il pourrait au dénuement des pauvres. Il a vendu ses livres. 13e siècle, même si vous n'avez pas fait beaucoup d'histoire, vous savez que c'est quand même avant l'invention de l'imprimerie, ou le perfectionnement de l'imprimerie. C'est-à-dire que ces livres, ce sont des parchemins. Des parchemins, des manuscrits qui coûtent extrêmement cher, qui sont rares, chaque pièce est absolument unique. Eh bien, il les vend pour constituer une aumône, c'est-à-dire pour trouver des ressources pour donner aux pauvres. Et les chroniqueurs disent qu'il a tellement stimulé les,
les autres théologiens et les maîtres que devant la générosité de ce jeune homme, ils se sont trouvés mesquins, hein, inactifs, et qu'ils ont donné en abondance des aumônes plus généreuses. Une phrase restera dans l'ordre jusqu'à maintenant, je ne veux pas écrire sur des peaux mortes, hein, des parchemins, alors que des gens bien vivants sont en train de mourir. La portée de ce geste ne doit pas être minorée. Vendre ses livres, c'est vendre ses parchemins, c'est renoncer à faire une carrière au sein de l'université pour sauver la vie de son prochain. Et il y a un épisode au même moment qu'il raconte, même si c'est de valeur historique discutable, qu'il l'aurait, il se serait offert comme esclave pour acheter la liberté d'un homme tombé aux mains des Sarrasins. Donc, deuxième renoncement, renoncement à une vie intellectuelle. Troisième renoncement, renoncement à une carrière dans l'Église. Dominique, s'il fait des études, c'est qu'il est destiné à l'Église, destiné à être clerc, destiné à servir l'Église. Ça marche comme ça, au début du XIIIe siècle. À l'âge de 25 ans à peu près, il intègre une communauté de chanoines réguliers, qui sont placés sous la règle de Saint-Augustin à Osma. Il y trouve vite sa place, il devient un religieux exemplaire, il commence à prier. On sait qu'il découvre notamment la prière de nuit et qu'il prend l'habitude de prier devant chacun des autels d'une église la nuit. Il dépend de la communauté pour tous ses besoins, il n'a aucun effet personnel, évidemment, il mange au réfectoire avec les autres, etc. Bref, il rentre dans une voie de dépendance et de pauvreté. Et il rentre dans une voie qui l'éloigne de celle d'un prêtre diocésain qui serait amené à prendre des responsabilités en raison de ses capacités propres. L'évêque, malgré cela, le remarque. Mais chaque fois qu'on proposera à Dominique des dignités ou même des responsabilités, et même d'être évêque, il refusera. Trois fois, il refusera de devenir évêque. Donc, renoncement à une carrière dans l'Église, même si ça n'aurait pas été un mal. Quatrièmement, renoncement, et ça c'est beaucoup plus dur, à voir le résultat de son travail apostolique. En 1203, donc il a 33 ans, mettons, un peu moins de 33 ans, une trentaine d'années, son évêque et l'embarque dans une aventure assez originale, une ambassade vers le nord de l'Europe destinée à arranger le mariage d'une aristocrate avec le fils du roi de Castille. Donc il faut négocier un mariage. Et c'est l'évêque qui doit s'en occuper, il prend une suite. Et dans cette suite, ce jeune sous-prieur du chapitre d'Osma. Pour Dominique, c'est quitter par obéissance son cloître, sa famille, son pays, son royaume. Et en franchissant les Pyrénées en 1203, il découvre l'hérésie des Albigeois, ceux qu'on appelle faussement, j'y reviendrai tout à l'heure, les cathares. À Toulouse, ils sont le prélat et sa suite, l'évêque et sa suite, donc dont Dominique, sont hébergés par un hérétique. Et un chroniqueur, le premier à raconter cette histoire, Jourdain de Saxe, raconte que Dominique a débattu toute la nuit avec ce dernier, avec force et ardeur, pour le convaincre de la vérité de la foi catholique et obtenir sa conversion. Et pour cela, Dominique utilise toutes les ressources dialectiques dont il était pourvu. Il dispute, il argumente, comme on le fait dans les écoles de Palencia, à l'université, ce qu'il a appris. Mais sans doute aussi écoute-t-il ce qu'on lui dit, les arguments de cet hérétique qui est en face de lui. Il comprend que les fidèles attendent du clergé non seulement des arguments, mais aussi un vrai respect des Écritures, du texte de la Bible, et puis une sainteté éminente. Et c'est sans doute en partie par déception
hein, qu'il réserve un bon accueil aux prédicateurs hérétiques. Alors, si le résultat de cet effort, hein, est probant, puisque l'homme se serait converti, hein, la longue mission dans le sud de Dominique qui va suivre, dans le sud de la France de Dominique qui va suivre, ne témoigne pas de grand succès, y compris pour des hérétiques convertis qui reconnaîtront des années après la mort de Dominique, qui sont retournés à l'hérésie, hein, après son départ. La lumière ne s'est faite pour eux que pendant un moment. Donc saint Dominique n'est pas l'homme de résultats spectaculaires. Ceci demeure limité en nombre, hein, et précaire. Et c'est un vrai renoncement, hein, que de voir le fruit de son travail, le résultat de son travail. Cinquième renoncement, renoncement au bien et choix des moyens pauvres. Dominique continue sa route jusqu'au nord de l'Europe. Bon, il se trouve que la princesse, finalement, ne va pas vouloir de ce mariage. Bien. Mais le choc de cette rencontre des hérétiques dans le sud de la France a été tel que l'idée de Dominique et de son évêque, Diègue d'Osma, c'est de se faire prédicateur itinérant entre la Méditerranée, Albi et Toulouse, pour aller rencontrer ces gens, j'allais dire un par un, par petits groupes, pour leur expliquer quelle est la foi et qu'ils se perdent. Et donc ils vont demander cela au pape, qui montre un certain scepticisme, à l'évêque espagnol qui doit retourner dans son diocèse, puis va finalement donner pendant une permission de mission temporaire. Mais il y a aussi déjà des prédicateurs qui étaient engagés dans un type de mission auprès des hérétiques, et notamment des cisterciens, des abbés cisterciens, qui étaient alors de grands personnages. Et Dominique et Diègue, sur la route du retour vers l'Espagne, les rencontrent et voient des hommes qui disposent de moyens impressionnants, des chevaux, un équipage, des serviteurs, etc. Et ils leur disent, c'est raconté comme ça dans le petit texte qui raconte la fondation de l'ordre au XIIIe siècle, « Ce n'est pas ainsi, frère, ce n'est pas ainsi qu'à mon avis vous devez procéder. Il semble impossible que ces hommes, ces hérétiques, soient ramenés à la foi par des paroles seules, eux qui s'appuient plutôt sur des exemples. Émoussez un clou par un autre clou, faites fuir la sainteté feinte au moyen de la vraie religion, car la morgue des pseudo-apôtres veut être terrassée par une humilité manifeste. » Ce que Diègue et Dominique, ce que l'évêque espagnol et Dominique vont conseiller à ceux qui sont déjà à l'œuvre sur le terrain, c'est de prendre les moyens les plus évangéliques qui soient, les plus pauvres qui soient. Hein, simplement, pour ruiner l'anticléricalisme populaire, disent-ils, il s'agit de suivre les recommandations du Seigneur Jésus. Et donc de renvoyer ces bagages. Eux-mêmes donnent l'exemple, ils se mettent en route pour prêcher et disputer, hein, contre les hérétiques. En 1206, exactement à la même époque, hein, en Ombrie, dans un tout autre contexte, François d'Assise, vous le savez, quand il veut rompre avec sa vie d'avant, hein, et suivre le Christ totalement, va rendre à son père tout ce qu'il a, y compris ses vêtements, hein, en se mettant nu, hein, devant la foule, hein, sur la place, jusqu'à ce que l'évêque le couvre de sa chape, hein, couvre sa nudité de sa chape. Et vous voyez, c'est la même démarche de fond, c'est la même compréhension au fond que l'évangile, c'est pas une question de dollars et de médias, de réseaux sociaux. Tout ça, ça peut servir évidemment, hein, mais c'est d'abord une question de vérité, transmise par des gens qui vont vivre en vérité. L'expérience menée par Diègue et Dominique, hein, quoique de courte durée, est jugée concluante. Ils repartent pour Osma. Hein, Dominique renonce à la charge de supérieur du chapitre et puis il va revenir en Languedoc avec Diègue et quelques prédicateurs espagnols.
et il va embrasser donc une vie de pauvreté mendiante, itinérante, dans cette région, donc à partir de 1206-1207, hein, et pratiquement jusqu'en 1217. Sixième renoncement, renoncement à la contrainte. Le renoncement à la contrainte pour faire connaître l'Évangile. À la fin du XIIe siècle, donc l'hérésie qu'on appelle abusivement le catharisme se propageait chez les habitants de certaines régions européennes, territoire de l'actuelle Bulgarie. Un bougre, un mauvais bougre ou un bon bougre, c'est un hérétique du XIIIe siècle, c'est un bulgare. Et l'hérésie se propageait aussi dans le nord de l'Italie, elle se propageait dans cette grande région comprise entre Albi, Carcassonne, Béziers et Montpellier. Les causes sont multiples, mais les conséquences semblaient alors effrayantes, non seulement aux princes et à l'Église, mais aussi à la plupart des croyants. Face à cette situation d'hérésie, l'Église, le pape, à Rome, était en train de réfléchir à mettre en place des instruments nouveaux pour prêcher la vérité. Dès le XIIe siècle, alors que Dominique n'était qu'un enfant, on y réfléchit et différentes bulles vont demander des sanctions. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des hérétiques dans la société. En 1199, le pape, dans une bulle, c'est-à-dire un texte législatif, si vous voulez, va assimiler l'hérésie au crime de lèse-majesté, qui est puni de mort. Et petit à petit, on va s'acheminer vers la création d'un appareil juridique qui s'appelle l'Inquisition. Appareil qui désigne d'abord une procédure juridique. Procédure inquisitoriale, c'est une procédure d'enquête. Ça s'oppose à une procédure accusatoire, où on met en cause donc la personne différente. La procédure inquisitoriale, c'est la procédure, si vous voulez, en droit français aujourd'hui, qui utilise les services d'un juge d'instruction, qui fait une enquête à charge et à décharge pour étudier les charges qui pèsent contre une personne. Dominique est très à l'écart de la réflexion qu'il y a et puis surtout de la création de cet appareil. Les dominicains vont y être associés plus tard. Mais l'appareil même de l'Inquisition ne se met en place qu'en 1231-1233, 10 ans après sa mort. Alors, après, pour en reparler, bien sûr, les dominicains vont avoir un rôle important dans l'Inquisition médiévale, et même au-delà, dans l'Inquisition à l'époque moderne. Si vous voulez, il y a toute une légende noire qui a popularisé le rôle de l'inquisiteur dominicain. J'ai donné d'assez nombreuses conférences sur l'Inquisition. Bon, là, je n'étais pas prêt pour faire une mise en scène, mais en faisant des mises en scène, et généralement, quand je parle juste de l'Inquisition, je commence dans le noir, avec 3 bougies sur la table, j'arrive en chape, la tête couverte du capuce. On peut chanter quelque chose de lugubre pendant ce temps, si vous voulez, faire des bruits de chaîne. Et si vous voulez, c'est le nom de la rose. Donc c'est le Bernardo Gui, du nom de la rose, qui n'est qu'un roman, mis en image de manière extrêmement réussie, et parce que spectaculaire. Mais cette image de l'inquisiteur dominicain, évidemment, elle a traversé les siècles. Je pourrais vous en parler, j'ai pas mal écrit là-dessus déjà. Donc, en tout cas, si on s'en tient à Saint-Dominique, ça ne le concerne pas. Les questions concernant l'Inquisition, elles sont d'après lui. Donc on pourra en parler après, si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, Dominique renonce à cela. Il renonce à la contrainte. Ce qui existe à son époque, c'est la guerre.
En 1208, le légat du pape, c'est-à-dire l'envoyé spécial du pape, va être assassiné au bord du Rhône. Il a charge d'essayer de rétablir la foi et de ramener à la foi les princes, disons les grands seigneurs de la zone touchée par l'hérésie, hein, qui jouent beaucoup politiquement de l'hérésie pour accroître leur pouvoir et leur indépendance. Et le légat est assassiné. Et son assassinat va déclencher une abomination, c'est-à-dire une croisade entre chrétiens. Une croisade qui va amener les barons du Nord donc à descendre dans le Sud pour ramener, disons, la paix catholique, la foi catholique. En fait, c'est une guerre civile entre chrétiens, qui va être particulièrement monstrueuse et qui s'achèvera définitivement en 1229 par un traité, et puis après toute cette zone, et ça sera un des effets de cette guerre, et c'était une des choses voulues par ceux qui avaient fomenté cette guerre, toute cette zone, ce comté de Toulouse notamment, sera attachée au royaume de France. Mais Dominique traverse, vous voyez, un pays, enfin une grande région dans un état de guerre civile, hein, sans s'engager dans un débat politique qui n'est absolument pas capable de maîtriser, en essayant de parler à tous et à chacun. Lui qui apporte la réponse la plus juste parce que la plus évangélique, elle est inaudible dans le bruit du conflit, mais elle portera du fruit ultérieurement. Donc renoncement à la contrainte. Et puis dernier renoncement, le dernier dépouillement que consent saint Dominique pour suivre le Christ et fonder son ordre d'une certaine manière et fonder l'ordre qui... dans lequel je suis et qui sera entièrement voué à la prédication, c'est le renoncement à sa volonté propre. Renoncement à sa volonté propre. Tous les renoncements ne s'expriment que par un suprême renoncement, fondamental pour l'histoire dominicaine, ce renoncement à la volonté propre. Et encore, c'est les paroles de Jésus qui commandent. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. La sienne, pas la mienne. Et les manifestations de ce renoncement sont innombrables dans la vie de saint Dominique. C'est par exemple, pour lui, s'occuper de femmes qui renouent avec l'Église en cherchant à vivre dans un état proche de la vie monastique. À Prouille d'abord, dans le Lauragais, à 75 km de Toulouse, mais aussi à Rome en 1219, quand le pape lui demande de réunir diverses moniales pour mener une vie monastique qui fera partie de la vie dominicaine, qui continue à faire partie de la vie dominicaine. Vous connaissez peut-être le monastère de Saint-Maximin. Donc Dominique renonce à sa mission immédiate parce qu'on le lui demande, parce qu'il ne veut pas faire son ordre, son église, mais obéir à la volonté de Dieu, qui est exprimée à ce moment-là par des appels, notamment du pape. Renoncer à sa volonté propre, c'est accepter la rencontre avec tous les acteurs de son temps, y compris dans les circonstances si difficiles de la croisade des Albigeois. Il parle avec les gagnants et les perdants de l'histoire. C'est aussi accepter la direction qui est donnée par l'Église à ce groupe de prédicateurs. Il situe son action au cœur de l'Église, sa mission auprès des dissidents, des hérétiques, des païens ne peut être livrée qu'à ce prix. Il ne monte pas sa boutique à lui, à la maison Saint-Dominique. L'ordre des prêcheurs, je vous le disais, résulte d'un long, lent, patient travail d'adaptation aux besoins de l'Église. La formule de profession religieuse, c'est-à-dire la formule qui est mise alors en place par laquelle on s'engage à suivre, à
à être consacré comme prêcheur, ne mentionne qu'un vœu d'obéissance. Mais ce vœu inclut bien entendu la pauvreté et la chasteté. Mais la manière dont il a été, dont la formule a été forgée au début du XIIIe siècle indique que c'est toute la volonté qui est consacrée par la profession dominicaine. Et la volonté, ça inclut la pauvreté et la chasteté. Quand on est religieux dominicain, on doit plus appartenir, on a consenti à ce que tous nos actes, absolument tous, s'inscrivent à la suite du Seigneur. Faire profession d'obéissance, pour nous, c'est offrir notre volonté à Dieu pour sa gloire et pour notre joie. Et offrir sa volonté, c'est offrir tout son être. Alors, en consentant à ces sept dépouillements, Saint Dominique ne s'est pas fait une vie confortable. Il a beaucoup marché en Europe, surtout dans le sud de l'Europe, entre l'Espagne, le sud de la France et l'Italie. Il est allé plusieurs fois à Rome, il a fondé à Bologne, il est allé à Paris une fois. C'est un homme de 51 ans, épuisé, littéralement mort de fatigue, qui rend son âme à Dieu le 6 août 1221. Mais cette pauvreté, ces dépouillements librement assumés, ont comme libéré en lui tout un espace que Dieu est venu combler. Un théologien dominicain du siècle dernier disait « Dieu n'a besoin que de notre soif et de notre vide, non de notre plénitude. » Il y a une espèce de masse de grâce qui est venue combler sa vie. Et Dominique l'a largement partagé aux autres, témoignant d'une fécondité non seulement de son vivant, mais aussi donc depuis 8 siècles. Sa pauvreté a fait des riches pour le plus grand profit de l'Église. C'est une leçon, évidemment, pour nous, dominicains, mais aussi pour chacun des fidèles du Christ qui est appelé par son baptême à une vie prophétique, à une vie missionnaire qui comprend l'annonce du royaume autour de lui. Chaque baptisé est amené un jour à quitter son père et sa mère pour se marier, servir le corps ecclésial. Chaque baptisé est amené à renoncer aux vaines illusions du succès. Chacun est amené à considérer les biens dont il est propriétaire ou dont il dispose comme des moyens et non comme une fin. Chacun est amené à renoncer finalement à renoncer à la contrainte pour faire connaître l'évangile du royaume et puis à renoncer aussi à sa volonté propre. Ben voilà, que l'exemple de Saint Dominique nous aide à entrer dans cette voie. Je vous remercie.